Je pense que c'est une victoire, somme toute, assez méritée, même si, pour ne pas se cacher, tout n'a pas été parfait. J'ai bien aimé aussi la façon d'équipe procéder pour le travail de récupération, laissant peu d'opportunités à l'équipe lancéenne. Et pour un promu, engranger les points, comme ça, c'est important et ça n'a pas de prix. Ouais. On a l'impression que dès qu'on prend un but, le match est terminé. Et malheureusement, bon, voilà, ça s'est concrétisé, deuxième but, 2-0, et puis pour nous ça a été laborieux en fin de match, et je dirais que les Rémois ont mérité leur succès. C'est une équipe qui est en confiance. À l'inverse, Nancy aujourd'hui, on sent beaucoup de fébrilité, beaucoup de doutes. Et je dirais que je suis aussi un petit peu préoccupé par ce que je vois. C'est clair qu'il va falloir trouver des solutions rapidement pour ne pas trop décrocher. Ce soir, le travail de l'équipe a payé, et c'est bien, on ramène encore 3 points. On commence à vraiment retrouver des valeurs, du travail en équipe, et c'est ce qui fait la différence pour réussir dans ce championnat-là. Pour une fois, je pense qu'on a eu un peu plus la possession du ballon que les autres matchs. Et voilà, on prend pas de but aussi, on en marque 2, donc voilà, on prend 3 points de nouveau à domicile devant nos supporters, donc c'est vachement important pour la suite. On sait très bien qu'il faut pas se relâcher, c'est pas parce qu'on a battu le champion de France qu'on enchaîne voilà les bons résultats qu'il faut justement se relâcher. Voilà, ça va être dur jusqu'au bout. On se prend pas la tête, on a pas grand chose à perdre, mais on commence à prendre conscience qu'on peut faire une belle saison. Enfin, moi, de ce que je connais un peu de la Ligue 1, on a rien à envier aux 12 équipes avec lesquelles on va lutter. Donc après voilà, c'est des détails, et en ce moment les détails sont en notre faveur, donc on va essayer d'en profiter. Ouais.